Charlie Movie, la série Voyage. Durant les grandes vacances, Charlie a décidé de faire ses bagages et de quitter la région aragoise pour découvrir d'autres territoires. Poursuite de l'aventure, direction cette fois-ci la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le Var. Charlie Movie, la série Voyage, et aujourd'hui on part dans le Var, la série en Isère étant terminée. Voici donc la deuxième partie de cette série Voyage dans un endroit assez original. On est actuellement à Cotignac en train de visiter des grottes. On est passé aussi sur une route assez sympathique, celle de Carcès, pour découvrir un immense lac. Commençons tout de suite par Carcès et le lac de Carcès situé au fond de la vallée de l'Issole. Carcès est un village où il fait bon vivre. On peut y admirer son authentique église, mais aussi son lac. Incontournable de par sa grandeur, le lac de Carcès, qui s'appelle en réalité le lac de la Fontaine d'Ajonc, est en effet immense. Il contient 8 millions de mètres cubes d'eau. Ce lac est artificiel, il sert à alimenter les réseaux d'eau toulonnais. Partons maintenant dans la vallée de Cassol découvrir le village de Cotignac. Célèbre dans la région pour ses grottes et sa grande falaise, haute de 80 mètres et longue de 400 mètres, appelée le Rocher, qui servait dans l'ancien temps à protéger les habitants du village durant les périodes d'invasion des premiers siècles du Moyen-Âge. Et on termine à 7 km de Cotignac, dans un bien bel endroit, sillant la cascade, pour une balade de 40 minutes rythmée par un son agréable, celui d'une cascade. Cette balade peut être aussi bien romantique que sportive, reposante ou plus encore, ressourçante. On admire au bout de cette balade la cascade, haute d'une quarantaine de mètres et de nombreuses roches, au milieu d'une eau turquoise. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now we're